Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo comme promis. Nous sommes le lundi 25 juillet 2022 et je vous partage donc aujourd'hui le jour où j'ai réalisé donc la randonnée du lac du Salagou. J'ai fait donc du coup la découverte du lac du Salagou. J'ai été relativement surprise donc du coup du décor qui entoure ce lac car toute la terre est rouge et ça fait très ambiance sur Mars. Ce lac il a été construit dans les années 60, donc du coup ce n'est pas du tout un lac qui est naturel. Ce lac du coup il était vraiment à la base à destination donc, du coup de l'irrigation des eaux et surtout pour éviter en fait qu'à l'époque il y ait beaucoup de crues. Aujourd'hui ce lac c'est une réserve d'eau pour donc du coup éteindre les incendies, donc on voit pas mal de canadaires faire des essais ou être en réelle situation. La longueur totale de ce lac est de 7 km et donc du coup si vous faites la randonnée que vous trouverez donc sur Visorando, elle fait environ 28-29 km et elle longe plus ou moins le long du lac. La randonnée donc, du coup, de Visorando vous fait visiter aussi donc, quelques anciennes habitations qu'il y avait dans le coin et il me semble un château auquel je ne suis pas allée. Vous pouvez voir un peu tout ce qui gravite autour. Aujourd'hui ce lac aussi il est pas mal utilisé donc du coup pour les activités nautiques. Vous retrouverez donc du coup il y a des plongeurs, il y a des gens qui font de la voile, il y en a d'autres qui font du kitesurf je crois qu'on dit, du canoë, du paddle, enfin il y a tout
tout un tas d'activités. Mais nous, quand on y est allé, il y avait énormément de vent. Et puis, je vous avoue que j'étais pas spécialement partie là-bas, en tout cas, pour faire une activité nautique. C'est une zone, en tout cas, vraiment dédiée au sport et qui est vraiment très variée, où vous pouvez y amener vos enfants, n'importe qui, en tout cas, pour y passer un très bon séjour. Parler un peu des ressentis de ma randonnée sur cette journée-là, ça a été donc du coup plusieurs étapes. Une journée où on allait monter à 30. Ce jour-là, il avait fait très très chaud et on avait pas mal bavé de la chaleur. Et en plus, on était parti qu'à 10h du matin parce qu'on avait préféré se reposer vu qu'on avait fait de la route la veille. Et donc, on va dire que la première matinée jusqu'à 13-14h, les premiers 10 km en fait sont super bien passés. Les 10 autres kilomètres ont été plutôt du coup un peu plus corsés. On sentait la chaleur de la journée qui commençait à nous taper un peu sur la tête. Là, il y a eu déjà les débuts des complications, on va dire, qu'on peut retrouver à un moment donné. Et c'est surtout les 8 derniers kilomètres qui ont été le plus difficiles. Puis il y avait la faim déjà qui commençait à nous creuser un petit peu dans l'estomac. L'envie de se débarrasser de tous les vêtements de randonnée quand on a transpiré sur une journée. Et surtout cette chaleur qui nous avait tué les pieds. Donc les derniers kilomètres ont été vachement ressentis au niveau des pieds. Donc pas très très agréable. En termes de difficultés, cette randonnée, honnêtement, elle a très peu de difficultés. En tout cas par rapport au, nous, au chemin que nous avons suivi, très peu de difficultés. Moi je suis partie avec des chaussures de trail, aucun souci au niveau du chemin. Par contre, au niveau du balisage, ça laissait un peu à désirer. Je vous conseille effectivement de faire un petit suivi, mais finalement, comme on suit les bords du lac, dans l'ensemble, on se retrouve assez rapidement. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. En attendant la prochaine, n'hésitez pas à me laisser donc un like
et donc votre commentaire sur cette randonnée donc juste en bas. Et puis donc en attendant, puisque je continue donc mon projet d'autodiscipline, donc je vous dis à lundi prochain. Je vais essayer de me tenir donc du coup à poster tous les lundis à 18h30. J'espère que vous avez passé un bon week-end. En attendant, je vous souhaite donc une très très bonne semaine. Et puis je vous dis à lundi qui suit. Salut à tous.